I'm a field scientist. I have studied agriculture science, rural innovation, agriculture extension models. I recognize myself as a field scientist. And I say, how great scientist you are, how greatest your scientific innovation is, it is of no use until and unless the end user stakeholders, the last mile smallholder farmers, are not having access to those scientific innovations. Therefore, I invested my years in testing, evaluating various delivery mechanisms, models, partnerships to ensure those noble germplasms, those quality seeds, those training, knowledge, institutional support reaches to the smallholder farmers who needs them the most. Institutionnel pour aider aux petits agriculteurs qui sont ceux qui ont le plus besoin de nous. J'ai travaillé très fort avec les communautés, les femmes et leurs institutions, la jeunesse des zones rurales pour assurer que leur voix et leur choix, leur participation jouent un rôle dans tout cela. Donc, j'ai été inspirée par bien des gens très intelligents et des innovateurs en sciences, le docteur Navarro, le docteur Courrier. Et ce que j'ai appris d'eux était que lorsque nous rêvons, et si nous rêvons en grand, nous devons nous assurer que notre énergie soit consacrée à obtenir une projection sociale plus grande, plus ample, et non pas seulement accéder à nos réussites personnelles. Toute intervention devrait être adressée à une transformation. Je vous remercie parce que le monde est un lorsqu'il s'agit de science et d'humanité. Dans notre présent cimetière des femmes comme catalysatrices du changement, rejoignez-nous le 5 décembre. Le 21 novembre. Mais bienvenue à la série de séminaires sur le rôle des femmes dans la science. Nous avons des interprétations disponibles en espagnol et en français. Et pour choisir l'interprétation, faites clic sur l'icône qui se trouve où nous vous invitons aussi dans les réseaux sociaux. Et nous avons un hashtag Women in Science pour la série des catalysatrices du changement. Et vous verrez sur l'écran votre QR qui donnera l'accès à Slido pour connaître vos commentaires, lesquels seront adressés dans la séquence des sessions et réponses. Nous verrons. Nous adressons à Norman Pollock de la World Trade Foundation, qui est maintenant. Je souhaite la bienvenue à Abraham Goovitz, directeur général de CIMIT, pour l'inauguration officielle de cette intervention. Donc, le docteur Goovitz, je vous donne la parole. Merci et bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent en ligne. Bonjour, après-midi, bonsoir à tous ceux qui à ce webinaire sur les femmes catalysatrices pour le changement. Et nous avons cette conversation pour mieux connaître le rôle que jouent les femmes au sein des institutions comme la nôtre. Donc, nous avons vu les recherches, nous avons révisé pourquoi les femmes ne jouent pas des rôles aussi important dans ce domaine de la science. Nous pourrons apprendre de modèles pour faire un design pour qu'elles puissent établir leur propre mode de leadership. Nous avons des femmes leaders dans la campagne, dans le domaine de la recherche, dans le secteur gouvernemental, au sein de leur communauté, et nous croyons que leur leadership pourrait se manifester de plusieurs façons. Nous avons le plaisir et l'honneur de présenter Anayas en tant qu'insoutenable comme catalysatrice pour le changement. Elle est leader et chercheuse et elle a le titre prestigieux depuis 2023, le prix Norman
Elle a reçu un prix pour toutes ses activités. Elle est l'auteur d'un grand nombre d'initiatives. Elle est scientifique leader sur la plateforme d'innovation et de recherche. Et elle travaille également pour les enfants producteurs et aussi considérant la valeur et les capacités et le domaine de la consommation. Elle travaille avec diverses variétés de semences et pour donner aux petits et moyens producteurs un meilleur accès à des semences de qualité. Elle a introduit plusieurs variétés, elle a contribué à l'agriculture durable, donc elle est l'auteur de plusieurs programmes pour assurer qu'il existe une transférence technologique qui est centrée sur l'amélioration des technologies en agriculture et elle s'assure également de la participation communautaire des femmes pour l'établissement de plusieurs lignes de commerce fondées par des femmes entre faisant d'elles des championnes dans leur trajectoire. Elle a un doctorat en stratégie et aussi dans ce domaine et ainsi qu'une maîtrise en hautes études dans ce domaine. Elle a une vaste expérience dans les initiatives d'innovation et finalement, c'est elle qui décide si nous sommes fiers d'avoir Swati Nayak aujourd'hui avec nous parce que c'est une des femmes qui a été une catalysatrice pour le changement. Donc, nous donnons la parole à Swati Nayak. Thank you very much, team. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité à la série de catalysatrices pour le changement et remercie l'introduction qui a été faite des travaux déployés. Je suis très fière de tout cela et cette plateforme pour moi joue un rôle très particulier parce que nous pourrons parler ici du rôle que les apports des femmes au Mexique et comment nous pouvons partager avec notre public, le public en général. Je suis donc ici aujourd'hui parmi toi en tant que femme scientifique qui a travaillé dans l'espace des systèmes. J'ai joué mon rôle normal sur la plateforme pour l'innovation de jury et aussi dans le cadre d'initiatives consacrées à cette question. Je partageais mon travail, je suis très fière de le faire aujourd'hui avec vous et j'aimerais vous faire connaître toutes les recherches que nous avons effectuées pour les communautés, pour les femmes et les modèles d'extension et d'expansion et de fourniture. D'approvisionnement, pardon. J'ai quelques diapos à vous présenter pour vous faire connaître plus amplement toutes ces questions. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Lorsque je parle de comment nous fournissons les semences aux agriculteurs et dans la campagne en général, ceci va bien au-delà de comment nous avons l'influence que nous avons sur l'amélioration génétique pour améliorer leur mode de vie en général. Nous connaissons les défis à relever et nous croyons que il est important, ceci implique une meilleure apparence qui nous permettrait de mieux comprendre le
tout ce qui a été, toutes les mesures prises dans l'évolution pour pouvoir distribuer des semences de qualité, pour pouvoir changer le scénario dans un grand nombre de pays qui font face à un grand nombre de problèmes à la production de ces produits, de ces semences. Donc, il était important d'identifier ce qu'il était nécessaire, ce qui était essentiel de considérer avec les disposant des semences que nous avions en ce moment. Et même les petits producteurs pourraient y avoir accès à tout ceci. Donc, toute autre question agricole, soit-elle minimale en concernant l'obtention de graines de meilleure qualité, peut signifier un accroissement de 15 à 20 dans la production. Ceci pour pouvoir pour voir les bénéfices génétiques, il faut créer conscience vers l'accessibilité de ces semences. Et nous sommes tous conscients du défi que représente la rotation des variétés et le remplacement des semences dans des pays comme l'Inde, Bangladesh et bien d'autres. Dans le cas du riz, il y a une question alarmante parce que nous devons nous assurer de comment il y a un si grand nombre de variétés et en fait, il n'y a que bien peu d'entre elles qui nous permettent d'assurer une production raisonnable. Donc, prendre en compte des techniques comme la modification génétique des différentes variétés. Et donc, cette modification devra avoir lieu dans un pays avec un pourcentage très réduit de petits producteurs. Ceci devra jouer un rôle très important considérant les grands défis à relever, c'est-à-dire changements climatiques, les besoins nutritionnels. Donc, toutes ces questions peuvent être adressées avec l'audio n'est pas très favorable, je m'excuse, avec l'implication des travaux effectués par les scientifiques et lorsque nous parlons de tous également des conditions de l'offre et de la demande. Il existe des mécanismes de distribution déjà établis dans plusieurs pays. Toutefois, nous n'avons pas encore trouvé la meilleure façon de rejoindre les petits producteurs dans l'amélioration des semences dans le cadre de ces activités. Donc, malgré toutes ces conditions contextuelles, nous devons comprendre que les semences, non seulement de matières premières, ce sont en fait des produits en soi, proprement dit, et existent sur le marché en tant que produit, et elles sont considérées comme un facteur central pour rejoindre les milliers d'individus. Elles sont présentes sur le marché de la concurrence, bien sûr, et sont une génération de valeur en termes de potentiel d'affaires qui pourrait donner lieu à leur tour à renforcer les opportunités et améliorer le niveau de vie des petits producteurs en accroissant leur volume de production. Ceci requiert qu'il existe un know-how parmi les groupes d'intérêt qui auraient la suffisante compréhension quant aux variétés qui sont produites, comment remplacer
certaines d'entre elles, comment en tirer le meilleur parti possible des opportunités sur le marché? Voilà les questions sur lesquelles nous devons nous centrer pour assurer la distribution non seulement de semences de qualité, mais également de l'infrastructure nécessaire. Donc, lorsque nous voyons la question de l'accès aux semences, ceci signifie que il nous faut comprendre, nous devons comprendre le modèle des producteurs qui n'ont pas encore accès à des semences de qualité. Alors, comment pourrions-nous décentraliser nos mécanismes d'approvisionnement pour rejoindre tous ces petits producteurs qui n'ont pas encore accès aux semences de la meilleure qualité, au-dessus des variétés qui arrivent sur le marché. Donc, voilà comment nous centrer d'une façon intégrale sur les programmes qui ont les changements et nous devons nous pensons lier le fil de la société et de la production. Nous savons, comme je l'avais déjà dit, que les semences ne sont non seulement des matières premières, mais aussi des produits sur le marché qui ont leur valeur propre. Et comment calculer ces détonateurs de la demande pour assurer que ces germoplasmes sont proposés contre les variétés anciennes, si vous voulez, tous ces changements, il nous faut s'assurer que ces changements parviennent jusqu'au marché. Donc, pour ceci, nous devons tenir compte de la migration, la diminution des zones, des variétés cultivées. Si ces changements sont constants et devront être remplacés. Il faudra remplacer toutes les variétés existantes. Donc, comment présenter toutes ces technologies innovatrices et pour qu'elles puissent concurrencer les variétés existantes? Parce que le biais d'une proposition de valeur. Donc, nous considérons des facteurs de marché. Un grand nombre de ces facteurs ont des piliers non négociables pour ce qui est de la question de la matrice primaire. Ceci se caractérise par la résistance climatique, micronutriments contenus. Et tout ceci se doit intégrer dans la recherche qui sont effectuées. Ceci requiert un développement très centré des variétés et aussi diverses. La production à moindre risque. Il doit avoir une comparaison entre les semences disponibles et les alternatives que se présentent pour les différents producteurs. Nous devons communiquer mieux avec les groupes d'intérêt, non seulement les agriculteurs, mais également les intermédiaires tels que les distributeurs, les agents d'approvisionnement pour que ceux-ci puissent se communiquer plus clairement pour nous faire mieux connaître quelles variétés sont en demande au cas où les premiers choix ne seraient pas disponibles. Donc, et identifier quelles seront les initiatives nécessaires à mettre en place pour rejoindre les divers marchés. Nous avons des activités liées primero pour nous parler non seulement au nom des comités nationaux suivant le segment du marché, mais aussi les départements d'extension et systèmes institutions. Donc, il s'agit en général que ces
ces différentes institutions ne travaillent conjointement. Donc, il manque donc une interrelation entre eux. Et donc, les points communs de chacune de ces-ci, les points qu'ils ont en commun. Donc, nous avons mis en point des plateformes communes, nous avons tenu des conversations, nous avons demandé des conversations ouvertes, de la communication ouverte des besoins particuliers de chaque secteur, et nous avons identifié les systèmes et les secteurs de marché. Et nous avons vu qu'un grand nombre d'institutions, un grand nombre de produits, et que nous avons aidé à la présenter par le biais de nos producteurs pour assurer des produits compétitifs par suivant les segments du marché auxquels ils s'adressent. Les variétés d'intérêt ont été améliorées, les variétés d'intérêt dans chacun de ces secteurs. Donc, nous avons déterminé ce qui se fonctionnait le mieux dans le cadre des initiatives et nous souhaitions que ces liens stratégiques vers les groupes d'intérêt puissent convaincre, vous savez, les organisations, des commercialisations, des semences et un grand nombre d'autres groupes d'intérêt qui sont susceptibles de distribuer les semences. Et nous avons vu une expérience d'apprentissage contextuel et du fait que les agriculteurs ont eu ainsi l'occasion d'apprendre, de découvrir ce qui leur fonctionnait le mieux et ce qui ne le faisait moins. Donc, c'était leur façon d'apprendre entre eux, communiquer entre eux pour communiquer les succès remportés. Donc, ainsi, nous avons pu nous communiquer avec les institutions correspondantes pour les connecter avec les nécessités d'amélioration apprises au sein des communautés pour que tous puissent parler dans un langage commun pour savoir comment intégrer les bénéfices génétiques au sein des communautés. Donc, nous avons ainsi les producteurs, ceci, le, nous avons atteint une valeur plus échelonnée et avoir une vision réaliste de ce qui était susceptible de mieux le fonctionner et de ce qui n'allait pas fonctionner. Nous avons présenté diverses opportunités pour impliquer des institutions, collaborateurs et différents acteurs ainsi pour assurer l'approvisionnement des nouvelles variétés. Nous avons travaillé du côté de la demande, mais aussi au niveau institutionnel. Nous avons impliqué les institutions, nous invitons les institutions à décentraliser en termes de situation, de quelle amélioration allait être utilisée dans une certaine variété en particulier, et ainsi multiplier ses effets pour générer des semences commerciales. Donc, nous sommes aussi adressés à diverses institutions nous n'entendons pas bien, pour pousser l'accroissement de la production de ces semences dans la chaîne de distribution. Ensuite, nous avons voulu assurer l'approvisionnement de diverses variétés en quantité suffisante. Et nous avons également prétendu atteindre le plus grand nombre possible d'agriculteurs. Nous avions déjà à 20, 30 ou 35% de lieux. Il nous restait à identifier comment trouver l'accès aux 60% restants. Donc, nous avions des mécanismes de distribution pour ce quoi nous avons commencé par identifier et amplifier la distribution, le contact avec les agriculteurs, considérant leurs règlements, leurs politiques internes. De quelle façon pourrions-nous les atteindre?
et pour rejoindre les institutions susceptibles d'avoir une incidence sur la production de semences, leur fournissant toutes ces opportunités, parce que nous comprenions très bien qu'il était nécessaire de connaître le genre de terrain, si des divers facteurs de l'agriculture pour soutenir les besoins, pour satisfaire les besoins de la production et de comment les producteurs seraient prêts à recevoir les innovations. Nous avons compris que nous travaillions, qu'en travaillant collectivement, ils pourraient recourir de moins, un risque moindre. Donc, notre optique a été de générer des entreprises collectives et ensuite nous avons commencé à moderniser un grand nombre de petits protecteurs dans différents groupes d'entre eux pour qu'ils prennent part à la production de semences. Ainsi, les systèmes traditionnels d'extension se communiquaient avec les agriculteurs et nous devions tirer le meilleur parti possible de la technologie de la main avec l'identification de semences de qualité. Donc, quelles sont les questions mercantiles qu'il nous fallait, et la question de la réglementation était à considérer, les liens de marketing, les réseaux de contact devaient également être considérés si nous voulions faire en sorte que ceux-ci considèrent, qu'ils considèrent cette production comme une activité d'entreprise. Ceci a généré un grand nombre de plateformes d'interaction et pour connaître les fonctionnaires correspondants pour aider aux agriculteurs dans les procédures d'enregistrement et un grand nombre d'autres questions. Et ceci, finalement, nous a donné ceci a fait que les institutions ont eu plus confiance en nous et non seulement on était seulement producteurs de semences, mais aussi chefs d'entreprise de production. Donc, c'est qu'un bon nombre de ces institutions graduellement ont pu avancer grâce à ces liens et soutiens et le soutien technologique avec les partenaires de diverses institutions. Nous avons parlé du mode de vie et de la question des affaires. Ces petits fèches d'entreprise ont permis de leur donner la formation nécessaire aux petits agriculteurs. Mais ceci n'a pas été possible pendant toute la dernière saison. Ils ont dû s'en tenir aux pratiques en rigueur pour la production de semences de qualité et des écosystèmes autour. Donc, avec le contact avec les agriculteurs, il nous faut avoir un contexte plus amical avec le genre. Sinon, tout simple, pour vous donner une description toute simple des pratiques, des bonnes pratiques en une semaine en particulier, nous avons assuré que la production de graines de semences de bonne qualité. Donc, ce genre de développement des capacités a été réalisé pour qu'ils deviennent autosuffisants, pour qu'ils parviennent à l'autosuffisance, pour qu'ils produisent par leur propre initiative des semences de haute qualité. Donc, nous avons parlé de l'information concernant les produits, les différents produits. Nous avons parlé de les dépliants techniques que nous avons distribués pour à cet objet et considérant maintenant, quel est le rôle des producteurs intermédiaires? Quels sont les facteurs qu'ils doivent identifier? L'information devra être présentée d'une façon qui leur permettra d'être
des décisions pour décider la viabilité de telle ou telle production, l'objectif, la raison d'être de remplacement immédiat, les produits, comment quel c'est le produit, quelles sont les alternatives comparables s'ils ne disposent pas de la quantité recommandée de semences pour leur production. Donc, les profits retirés, ceci, les valeurs économiques, enfin, tous ces points ont été saisis sur ce formulaire simplifié et en langage tout simple qui, pour améliorer la production pour les usagers finaux dans cette chaîne de distribution des semences. Nous avons également un programme de développement des connaissances et ceci aura un effet cascade, un effet domino sur la production, avec les différents groupes des institutions, les agriculteurs, les distributeurs, fonctionnaires, etc. Nous avons des programmes de grand intérêt centrés, avec un centré sur des points tout particuliers correspondant à chacun. Nous devons sortir chacune des institutions formelles, informelles, ont été formalisées. Je crois que nous parlons de tout cela, des entreprises où les femmes trouveraient place au sein des programmes de formation, en comptant avec la participation de 60 à 70 % de femmes. Donc, un grand nombre d'entreprises de production agricole, des femmes participantes, des formatrices qui sont impliquées dans les expositions, dans les séminaires, les parcours sur le champ, les exercices sur le champ, et non seulement la formation en classe, en salle de classe. Nous avons eu des interactions au sein en matière de marketing et ceci les a permis d'accéder à un meilleur développement. Donc, nous vivons à une époque où la procédure de prise de décision se fonde sur des outils et des mécanismes d'approvisionnement fondés sur toutes sortes d'innovations numériques. Nous avons généré cette intelligence de marketing pour nous assurer que ces systèmes de distribution des semences soient détonnés par la demande. Donc, pour ceci, nous avons besoin de science et de transparence. On n'avait pas vraiment confiance en les institutions. Donc, il y a des associations productrices de semences qui ne disposent pas de telle infrastructure. Donc, nous ne pouvons pas épuiser les inventaires. Donc, tout ceci doit se fonder sur la demande. Il y a donc diverses fonctionnalités impliquées dans cette initiative, des fonctionnaires de gouvernement pour intégrer également la société et toutes questions d'ordre philanthropique. Donc, toutes ces questions, nous devons nous avoir confiance, il nous faudra améliorer les procédures de prise de décision et il y a des institutions qui ne disposent pas de système d'intelligence sur le marché. Donc, nous tâcherons d'introduire cette variable. Donc, il y a d'autres produits que nous devons assurer que soient respectés les choix et les préférences des agriculteurs. Donc, le modèle variété
Et de voir des cafétérias est très populaire dans les bien grands. Un grand nombre ont un modèle préféré dans les divers pays où ils agissent, où nous agissons. Donc, ceci, on répète dans les expériences de diverses variétés et plusieurs groupes d'intérêts ont lieu à une pluie d'idées pour exploiter les différentes alternatives et faire le choix le plus approprié. Cette alternative de sélection se fonde sur le dialogue entre et la génération, la demande collective. Et pour ceci, il faut décider qu'est-ce qui fonctionnera et qu'est-ce qui le fera moins dans un domaine en particulier, les hommes contre les femmes, les agriculteurs, les groupes d'intérêt et les différents marchés. Tous ces facteurs sont impliqués dans cette séance de brainstorming et où il faut décider quels sont les produits qui seront sélectionnés. Donc, un grand nombre reviennent aux liens qu'ils ont déjà établis. Et donc, il y a plusieurs institutions où cet exercice est mise en œuvre. Donc, nous avons les parcelles où l'on cultive les différentes variétés sont gérées par les agriculteurs et par différentes agences institutionnelles qui travaillent sur les systèmes nationaux. Et nous avons aussi une transition vers les variétés de différentes graines. Ils sont ici. Tout ceci est effectué à des fins de démonstration. Les producteurs ont besoin de certain temps pour déterminer si ces variétés seront bien adaptées et conviendront à leur système de distribution. Nous devons tous ces travaux, effectuer tous ces calculs pour pouvoir définir les variétés qui pourront couvrir la demande ainsi générée. Donc, si les agriculteurs souhaitent rechercher des semences et qui ne sont pas encore au point, ils peuvent choisir une autre alternative. Voilà. La raison pour laquelle ont lieu toutes ces démonstrations qui sont gérées par les agriculteurs même au sein de leur communauté respective. Donc, si s'agissant d'une variété choisie, le gouvernement et d'autres leaders communautaires s'occuperont de ces derniers facteurs pour considérer le marché existant sur la société et il ne faut éviter d'ignorer les aspects qui ont la plus grande influence sur le marché des semences. Il doit avoir une conscience et information des différentes variétés qui existent et donc, qu'est-ce qui a détonné tous ces changements? Tout d'abord, l'information qui consiste à identifier les brèches à combler et établir un pont entre les systèmes d'amélioration et les systèmes de production. La sagesse collective et les intérêts communs sont ouverts aux changements progressivement installés. Nous savions que ceci requérait d'un certain temps pour pouvoir affiner toutes ces procédures, mais nous savons que ceci fonctionnera parce que nous travaillons dans une région fertile et nous devons établir ces ponts entre les liens qui existent déjà entre la société et le marché. Donc, pour un grand nombre de produits, pour un grand nombre de cultures. Voilà pourquoi nous croyons que nous réunissant, nous pourrons avoir un cadre de référence intégral pour réunir des équipes multidisciplinaires pour travailler sur ce point avec les différents groupes d'intérêt. Nous n'oublions jamais l'échelle, le volume et la vitesse parce que cet impact sera visible. Nous ne pouvons pas parler d'impact du changement climatique si
si, sans nous assurer qu'il existe, que cette question soit considérée, soit prise en compte sur l'échelle, notre échelle de valeur. Donc, nous nous faudra identifier dans quelle direction nous diriger. Et toutes ces questions sont un facteur détonnant ici. Sur cette diapositive, le dernier point, la recherche de participation à toutes les étapes, les groupes d'intérêt, les agriculteurs, femmes agricultrices ou hommes, différents groupes d'intérêt dans le cadre du marché. Tous sont impliqués depuis la première étape de planification. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à vous présenter. Donc, un grand nombre de personnes me demandent qu'est-ce que je fais d'autre. Nous faisons toutes ces mêmes choses, sont faites de différentes façons. Donc, je vous remercie de ton intervention et je vous rappelle que Norma, je suis Madhulikas et je m'appelle Madhulika. Je tiens à remercier CIMIT, l'FGIA, de avoir présenté cette plateforme où toutes les femmes scientifiques sont reconnues finalement. Leur travail dans leur région, nous avons identifié des travaux très productifs déployés par elles. Elles sont un modèle pour les générations suivantes pour qu'elles comprennent mieux leur travail et qu'elles savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la campagne. Donc, tout d'abord, je voudrais demander à ces femmes lesquelles d'entre elles a présenté le modèle d'une approche scientifique dans leur trajectoire professionnelle. En fait, je ne sais pas, c'est une question très, très difficile à répondre, à laquelle il est très difficile de répondre. Je pourrais identifier une personne en particulier qui m'a inspirée. Je crois que le parcours de chacun est très différent. Que nous avons commencer, quelle a été notre trajectoire, comment nous avons travaillé pour identifier les procédures dans la campagne. Il est difficile d'identifier une personne en particulier pour obtenir tous ces renseignements parce que nous croyons qu'il y a aussi ma propre créativité s'y trouve impliquée dans tout cela. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler à très jeune âge, il y avait des femmes qui participaient, des femmes productrices au sein de la communauté. Elle était pour moi une inspiration parce que j'ai vu l'énorme potentiel de chacune d'entre elles. Donc, toutefois, nous avions un manque d'accès systémique à des questions tout à fait critiques. Ceci a fait partie des efforts que nous avons dirigés. D'où provenaient les services qu'il nous fallait? Donc, ce manque d'accès a donné origine à cette nécessité. Il y a maintenant diverses initiatives dans ce domaine. Il y a des institutions qui apparaissaient, représentaient une grande et très prometteuse pour nous. Donc, en Asie, où je grandissais. Ceci a donné l'opportunité d'observer tout ce qui se produisait au sein des gouvernements et d'autres que nos formats d'institutions dans le secteur. Donc, non, toutes les nécessités, naturellement, n'y étaient pas couvertes. Les nécessités étaient des populations. Ça croissait. Et nous avions besoin de mécanismes formels d'approvisionnement et de mécanismes qui pourraient donner aux femmes l'empowerment nécessaire. Donc, voilà pourquoi je m'ai impliquée et j'ai voulu créer ces avenues d'accès pour donner accès à diverses opportunités. Et je crois que cette motivation m'est parvenue
en travaillant avec les bases de production, et ceci pour attirer un plus grand nombre de femmes vers le scientifique. Donc, ceci sera par coopération, en travaillant conjointement. Donc, crois-tu que ceci fonctionnerait et aurais-tu des exemples à nous donner de tout cela? Oh, si, bien sûr. Il est nécessaire de nous intégrer. Nous ne pouvons pas travailler isolément. Donc, je parle ici des femmes qui travaillent conjointement et des hommes et femmes travaillant conjointement pour intégrer pour impliquer des personnes appartenant à divers secteurs, que ceci doit un processus de pensée, de réflexion multidisciplinaire. Ceci est une question très importante. Par exemple, je dois dire que si je me sens très honorée pour intégrer des questions d'ordre social. Mon schéma est donc hybride. J'ai travaillé avec des collègues, des femmes scientifiques, collaboratrices scientifiques, et la façon dont elles s'expriment et se communiquent et comprennent la façon dont je travaille était différente parce qu'il y a différents... De cette façon... inconsciemment, nous poursuivions des objectifs communs. Donc, cet objectif commun devra générer un langage commun. Donc, dans ce processus, un grand nombre de collègues sur les différentes plateformes d'innovation pour le riz, du côté génétique, nous pouvons collaborer dans diverses activités, dans différents cadres de recherche, par la communication ouverte, la transparence, et apprendre l'aide de chacune d'entre autres. C'est une procédure clé qui donnera origine à différents changements. Comment crois-tu que nous pourrions établir un environnement de travail qui soit plus sensible aux gens? Il y a certaines questions qui... tout d'abord, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, il faut pouvoir ignorer la qualité et la quantité, le genre, le nombre de femmes impliquées dans la prise de décision est également un facteur très important. Et je crois que ces opportunités sont celles que nous pouvons exploiter pour diriger les procédures prises dans cette voie pour savoir que nous avançons en ce sens et pour savoir que les femmes seront toujours présentes dans les différents forums et plateformes de discussion et aussi dans la génération de cette base de travail qui s'étendra et qui sera adaptable, que ce soit des environnements appropriés pour partager des diverses opportunités, parce que nous savons que les femmes pouvons être très créatives, multifonctionnelles, si vous voulez. Un très grand nombre de femmes qui déploient un grand nombre d'activités, qui sont mères de famille et possèdent également une formation professionnelle. On font face à des obstacles et qu'il leur faudra surmonter. Leur faire dire c'est fini, que tout doit changer? Moi, j'ai dû passer par un processus de changement interne pour agir d'une façon efficiente pour les besoins. On m'a changé. Maintenant, je produis individuellement plus que je ne le faisais précédemment. Nous avons tout aussi cet avantage. Nous devons nous en servir, tirant le meilleur parti possible des représentations de nos rôles de leadership et d'opportunité. Il y a certaines questions ici qu'une organisation devrait exploiter et fournir aux femmes pour qu'elles croient en elles-mêmes. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Et si j'avais d'autres questions, nous ne disposons plus de beaucoup de temps, mais voilà, nous passons donc à l'étape suivante de notre séance. Je vous remercie. Merci de cette conversation qui m'a semblé si intéressante. Nous avions plusieurs questions auxquelles répondre. Je voudrais commencer à la première qui vous dit, votre travail est source d'inspiration. Quels ont été les défis internes et externes, les principaux défis que vous avez eus à relever? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Votre travail est source d'inspiration et établit une norme plus appropriée. Quels ont été les principaux défis externes et internes que vous avez dû relever et comment y avez-vous procédé? On parle ici plutôt des défis à relever. Eh bien, je ne sais pas. Je ne saurais pas comment séparer les défis internes ou externes. Tout ceci va conjointement. Je crois que rien soit, je ne crois qu'il n'y a rien d'externe parce que tout finalement a une influence sur moi, sur ma propre personne, sur mes activités à l'interne. Donc, je crois que en tant que professionnelle, femme, j'ai mes propres aspirations, bien sûr, et il me faut équilibrer, gérer les différentes attentes des autres rôles que je dois jouer dans la configuration de la société du travail. Donc, bien sûr, j'ai eu des moments très conflictuels, petits et grands conflits qui se sont présentés. Et il faut aussi travailler sur la question de la santé émotionnelle. Donc, faire un équilibre entre ce que les buts que je poursuis et les activités à déployer. Donc, j'ai tout fait cela en même temps. Je crois que nous, les femmes, pour tout avoir, pour tout obtenir, il nous faudra choisir et nous engager dans plusieurs domaines. Donc, il m'a fallu partager, générer des structures, rechercher des soutiens pour satisfaire à tous ces besoins. Donc, j'ai commencé à tenir ce genre de conversation à la maison et ensuite au travail avec mon équipe de collaborateurs et mes clients pour de sorte qu'ils puissent prendre connaissance des situations, des conflits et des situations en général. Nous avons reçu un solide soutien des gérants de mon travail et aussi un soutien très important de la part de ma famille. Et je crois que sont là les choses, les facteurs sur lesquels je trouvais la force pour me soutenir. Et chaque fois, je pense que tout ce qu'il me faut faire et ce qu'il me reste encore à faire pour créer les conditions. Si on sent avec un engagement suffisant, avec tous les gens, du côté fonctionnel, j'ai eu reçu tout le soutien qui a été déterminant dans ma trajectoire. Donc, ceci est un lieu de travail partagé, exceptionnel, avec les attentes de chacun, les responsabilités vis-à-vis les agriculteurs, les environnements sociaux où nous évoluons. Et finalement, j'ai aussi un grand nombre d'opportunités et j'ai dû faire preuve de sensibilité vers le personnel, les gérants. Et en conséquence, j'ai obtenu le soutien de tous ces gens. Donc, je n'ai pas relevé ces défis toute seule. Un très grand nombre de personnes m'ont aidé à le faire. Donc, je vous remercie de ces réponses qui nous semblent si éclairantes. Donc, maintenant, nous passons à la séance des questions et des réponses. Je voudrais ouvrir la séance au public. Nous avons reçu un grand nombre de questions sur Slido. Si quelqu'un avait une question à poser, levez la main, votre main numérique, s'il je vous en prie, pour que nous puissions lire vos questions sur Slido que je lirai
pour compulsivement. Que pensez-vous? Croyez-vous que le rôle du mentorat, que pensez-vous du mentorat pour les femmes leaders dans le domaine de la science? Eh bien, oui. Là, je vais commencer à faire des mentorats. C'est une expérience merveilleuse pour moi. Lorsqu'on a annoncé cette initiative, j'ai trouvé cela très intéressant tout de suite. Donc, j'ai été invitée à prendre part à un grand nombre de discussions et auxquelles j'ai assisté. J'ai observé un très grand nombre de jeunes professionnels, étudiantes, qui aspirent à entrer à s'introduire dans les espaces au niveau de l'organisation et de la recherche par le biais de différents forums. Et on m'a posé cette même question. On m'a demandé si je voulais devenir orientatrice, faire du mentorat. Donc, je fais déployer mon plus grands efforts pour y parvenir. Donc, tout ceci dans le cadre de mon niveau et de mes capacités. J'ai toujours souhaité de soutenir, de conseiller, me fondant sur mes expériences en tant qu'orientée des jeunes étudiantes. Donc, j'ai travaillé de près avec un grand nombre d'étudiants et académiciens dans mes programmes de recherche, notamment peut-être pas en si grand nombre, mais c'est surtout par la participation à divers projets de recherche. Donc j'ai un grand nombre d'étudiantes proviennent de divers domaines pour le développement. Donc, j'ai cru il s'agit ici d'accroître leur capacité, de leur aider, leurs compétences, pardon, de leur aider à résoudre leurs dilemmes personnels, interpersonnels. Et finalement, j'ai tâché de partager mon expérience, ma propre expérience. Donc, je suis assez accessible, il faut le dire. Il me fait toujours plaisir de partager mon expérience. Maintenant, je donne la parole à Manolika pour qu'elle réponde à ces questions. Quels conseils pourriez-vous donner aux femmes scientifiques qui vous accompagnent? Tout d'abord, avant tout, je les rappelle que le travail implique une responsabilité et la responsabilité est vers le bien-être social. Elles devraient être fières de leur travail, de le faire, les déployer, tout déployer leurs activités avec passion. Donc, et se proposer, poursuivre ce but côté professionnel, notre travail s'est centré sur cet objectif. Et au-delà des cours normaux qui sont dictés, il faut aussi leur faire comprendre jusqu'où ils peuvent arriver, où elles peuvent arriver. Comprendre qu'il y a différentes étapes dans la vie des femmes et parfois, les femmes devront nous efforcer plus que notre compartie masculine. Donc, pareil pour les initiatives. Donc, je vous recommanderais de ne pas vous laisser influencer par les normes traditionnelles établies pour chacune d'entre nous. Il est important que chacune d'entre nous établisse ses propres priorités et n'existe pas. C'est toujours une bonne chose de communiquer ses difficultés. N'ayez pas peur de le faire. Donc, même s'il devait.
N'ayez pas peur de rompre certaines règles. La psychologie des jeunes femmes, chacune peut prioriser, établir des priorités par les buts à poursuivre dans sa vie, et chacune d'entre elles pourra se communiquer et pour poursuivre leurs propres objectifs d'excellence dans leur domaine, le domaine qu'elles auront choisi. Donc, on remercie Swati Ayak d'avoir pris part à cette conversation. Remercie de cette conversation. Nous te remercions de nous avoir fait connaître ton expérience personnelle de croissance professionnelle. Merci de nous avoir donné de ton temps. Et nous inviterons au prochain séminaire qui est sur ce point le 5 décembre. Merci de nous avoir accompagnés. Bonjour, je m'appelle Caroline Trivelli, je suis économiste péruvienne. Je suis chercheure dans l'Institut des études de recherche péruvienne, la plus intense et la plus importante au Pérou. Je fais de la recherche dans trois domaines principaux: la réduction de la pauvreté polysociale, développement rural et inclusion finale. Donc, après de 2 ans en tant que recherche dans le IEP, j'ai été invitée à être la première ministre pour le développement et l'inclusion sociale au Pérou. Ceci est un grand défi, tout simplement parce que j'ai responsabilité de développer cette question consistant à construire un ordre du jour d'inclusion sociale au Pérou. Donc, un tiers de mon temps sera consacré à la recherche. Merci, je veux remercier de consultation et je pense à collaborer avec des organisations de la société civile, des offices, pour travailler avec la société civile, les bureaux des secteurs publics et privés et les bureaux du secteur pour améliorer les conditions sociales et accroître les opportunités de tous, pour construire un meilleur pays et générer de meilleures opportunités pour tous et toutes. Donc, je vous remercie du temps et pour le mentorat de professeurs, de femmes, professionnelles et reconnaissants de femmes jeunes, pour s'assurer que chaque femme dans ce pays pourra poursuivre ses propres objectifs et tirer le meilleur parti de toutes les opportunités qu'elle mérite. Donc, chaque travail que nous avons effectué pour appuyer les femmes dans ce pays se traduit dans un résultat positif pour elles, pour leur vie personnelle, de même que pour toute la société, et améliorer toute la société en son ensemble, les opportunités offertes pour chaque femme, pour chaque Péruvienne. Je suis très fière d'être ici parmi vous et j'espère que nous aurons l'opportunité de nous revoir le 5 décembre prochain. Accompagnez-nous le 5 décembre prochain.